Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation aujourd'hui. Trois titres à vous présenter. Trois titres qui sont distribués par Paramount Pictures. Le premier est le film de guerre 13 heures ou 13 hours. Ici, maintenant en format 4K Ultra HD avec une copie digitale. La critique du film avait déjà été faite sur le site. Elle avait été faite pour le format Blu-ray. Et c'est Gilles, justement, mon collaborateur, qui en avait fait la critique. Je vous invite, en attendant d'avoir cette critique 4K, d'aller voir celle que Gilles a faite sur le site web ciné-techno.com. Donc, je vais vous montrer un peu plus près la pochette. On voit l'acteur principal de ce film de guerre. Voilà, comme information qu'on peut dire, c'est, on a 2 heures de supplément qui sont inscrits, comme aux aguets, traquer la vérité dans le bruit. On a les soldats secrets de Benghazi révélés. On a opération première de 13 heures. On a aussi en souvenir et en vue du combat, les coulisses de 13 heures. Ce sont les suppléments qui sont inclus sur le disque Blu-ray. On retrouve également des pistes sonores en anglais, Dolby Atmos, anglais 5.1, Discrete, Dolby Digital, anglais 2.0, Discrete, Dolby Digital, français 5.1, espagnol 5.1, portugais 5.1, et anglais audio description avec des sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Je vais vous déballer le tout hein, pour vous le montrer. Voilà. On va déballer. Bon. Au niveau de l'image sur la pochette ou sur le boîtier, c'est peut-être même un peu plus visible sur le boîtier cartonné. Sinon, on n'a pas plus vraiment d'informations sur à l'arrière de la pochette, à part que oui, la copie digitale, je peux peut-être mentionner que c'est une copie pour iTunes. Le film est d'une durée de 144 minutes. C'est à peu près l'information qu'on retrouve. Peut-être, est-ce qu'on voit l'information sur le format de l'image? Je, rapidement, comme ça, malheureusement, je ne le trouve pas. Mais voilà, c'est sûr que c'est la meilleure qualité d'image hein, sur 4K. À l'intérieur, on retrouve le feuillet publicitaire avec à l'arrière le code de la copie digitale. C'était mentionné juste 4K dessus, mais comme je l'ai mentionné tantôt, il y a ici quand même le disque 4K, mais le disque Blu-ray aussi qui est inclus. Ce qui n'était pas mentionné, je tiens à préciser, c'est seulement le film qui est en 4K et sur l'autre disque, c'est pas le film, mais seulement les suppléments qui sont dans le format Blu-ray. Donc, c'est important de le mentionner. Ça, c'est pour le premier film, le film de guerre 13 heures. Ensuite, le second titre, c'est Magnum P.I. saison 1, qui est la nouvelle refonte de la série Magnum P.I. Qui a été très populaire à l'époque, qui mettait en vedette Tom Selleck. Maintenant, c'est Jay Hernandez qui interprète le rôle, qui a le rôle principal de cette nouvelle série qui ici en est à sa première saison, donc des enquêtes, ça se passe toujours avec une belle Ferrari rouge qu'on peut voir ici, qui est quand même une voiture populaire qui a été reconnue aussi au niveau de cette série-là. C'est une première saison parce que oui, déjà la deuxième saison, elle a déjà été confirmée. Donc, bonne nouvelle, ce n'est pas une saison unique. Je vais vous déballer ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc juste avant, je vais vous le montrer comme il faut. Voilà. À l'arrière, on a quelques images de la série.
On retrouve des pistes sonores en anglais 5.1, anglais stéréo, avec des sous-titres en anglais seulement. C'est une série de... Je vérifie le nombre de minutes. C'est 14 heures pour cette saison 1-là, sur 5 disques en DVD. Au niveau des suppléments, on a Aloha Magnum Launch Promo, Magnum P.I. de Rising of the Sun Season 1, Scoring Magnum P.I., on a Kumu and Katsumoto, on a Watch Magazine Shoot with J. Hernandez, on a des gags real et des scènes supprimées ou allongées sur certains épisodes. À l'intérieur, on retrouve l'information sur les différents épisodes sur chacun des disques. On a le premier disque, on va les mettre dans le bon ordre. Le disque 2 et 3. On poursuit avec le disque 4 et 5. Et ensuite, à l'arrière, on a l'information sur le cinquième disque. Oups, pardon. Cinquième disque et les suppléments aussi qui sont mentionnés également ici. Voilà. Ça, c'est pour la saison Magnum PI saison 1. Et le troisième coffret que je suis bien content d'avoir, c'est Le Parrain, la trilogie Le Parrain, hein, dans une édition héritage des Corleone. Voilà, en format Blu-ray. Je vais vous le déballer immédiatement. On va regarder ça ensemble. Je ne l'ai pas déballé. J'avais hâte de le déballer, mais je voulais le faire à la caméra. Je vais vérifier tout son contenu. Donc... On peut voir, évidemment, le parrain sur le devant de la pochette, Marlon Brando. On a de l'information également pour chacun des trois films. Voilà. C'est sûr que le premier film est de 1972 et dure 177 minutes. Le deuxième, de 1974, dure 202 minutes. Et le troisième de 1990 dure 170 minutes. On retrouve, sans rentrer trop dans les détails, je peux vous dire que chaque film a des pistes sonores en anglais, True HD 5.1. On a également français 5.1, je vais juste m'assurer. Oui, français 5.1 aussi pour chacun des films. Et on a un quatrième disque avec plein de suppléments en lien avec les différents films des scènes supplémentaires, des entrevues, la musique du film, le making-of des films. On a vraiment beaucoup de suppléments, vraiment intéressant, un beau coffret à se procurer. Je vais vous montrer l'intérieur. On a ici, c'est sensiblement peut-être moins d'images là en arrière, mais on a toute l'information qui est mentionnée. Avec les différents... Il y a des commentaires audio aussi qu'on retrouve sur différents... sur les différents disques. Et à l'intérieur, on a le disque 1 pour Le Parrain. Le disque 2 pour Le Parrain seconde partie. Disque 3 pour Le Parrain troisième partie. Et comme je l'ai mentionné, un disque de supplément. Voilà. Mais je vois qu'il y a quelque chose en plus qui était dans le boîtier. Je vais le déballer. On va voir qu'est-ce que c'est exactement. Je suis curieux. Bien curieux de voir c'est quoi. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air des... Oui, OK, c'est ça. C'est comme des genres de cartes postales de collection. Pour Le Parrain. Parrain seconde partie. Voilà. Parrain troisième partie. Voilà. Et ensuite, c'est comme on a un genre de cadre qu'on peut mettre les photos à l'intérieur. C'est bien intéressant. Et ici, on a une... La famille, une genre de... poster affiche sur tous les membres de la famille Corleone. Bien intéressant, belle pièce de collection. Donc, vraiment bien content. Hein? C'est un très, très beau coffret pour les amateurs
du parrain, hein, des classiques du cinéma qui sont toujours intéressants à voir après autant d'années. Hein, puisque je l'ai dit tantôt, le premier titre, le premier film date de 1972. En fait, ces trois titres qui sont distribués par Paramount, je ne l'ai pas dit encore, mais ils sont déjà tous disponibles en magasin. En fait, on peut s'y procurer depuis le 11 juin 2019. Donc, voici soit 13 heures, Magnum P.I. saison 1, la refonte, et le coffret de la trilogie des Godfather, l'édition héritage des Corleone. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires lequel de ces trois titres vous intéresse le plus. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour être justement à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!